Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft avec notre nouveau robot Hill que nous allons nous empresser de tester, chers amis. Il est d'une beauté sans pareil, il vole, j'ai même pas testé s'il volait. Comment j'ai fait ça à l'arrache? Comment l'avant il pique du nez? Comment il pique du nez à l'avant? Faut alors que je rajoute de l'hélium. What? Ou alors que je ravance tout. Oh la dèche. Hop. Juste pour voir. Tarra. D'accord. Ok. Ok, précis. Ça me plaît. Je précise qu'il faut que je garde la touche espace enfoncé pour m'assurer de pouvoir voler correctement. Alors que je mette un bouton stop aussi. Si je fais une marche arrière, c'est la catastrophe. Hop. What? Viens voir papa. Hop. Mais non, non, non. Oui. Hop. Ok. Le heal se passe plutôt bien. Le heal se passe plutôt bien. Ok. Ça se passe même assez bien, chers amis. Hop. Allez, poussez-vous. Poussez-vous, je suis en première ligne. Quoi? Quelqu'un notre plutonium réacteur? Quelle horreur. Excusez-moi, je remets mon casque, j'ai pas de son. C'est la catastrophe. C'est terrible, je n'ai pas du tout le moindre bout de son dans les oreilles. Oups, pardon. Hop. Allez, faites des choses. Moi, je garde le clic droit enfoncé, hein, ça suffit. Hop, vas-y, profite. Profitez, les mecs, y'a pas de soucis. Hein. Ça heal. Pourquoi? Pourquoi vous reculez d'un seul coup? Aïe. J'ai plus de heal, autant me barrer. Par contre, on a du monde au plutonium réacteur, quoi. Je vais essayer de m'y rendre. Hop. Je vais essayer de m'y rendre. De toute façon, on va régénérer dans quelques secondes. Hop, parfait. Hop. Ça touche. On récupère les petites. Putain, mais c'est un mec avec des toutes petites armes. Et vous le laissez faire. Hop, voilà. Espèce d'abruti.
Hop. Voilà. Par contre, là, elle fait mal, hein. Hop. Je me suis fait tirer dessus par quelque chose. Je sais pas quoi. Hop. Hop. Allez, vas-y, roule, 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 roule. Roule, je te heal. Roule. Allez. Oh, la gueule. Ah. Mec, t'es tout seul. Est-ce que quelqu'un va récupérer une tour pour qu'on puisse repop? Ah, pour que je puisse repop parce que je suis tout seul. Quelle horreur, je suis tout seul. Ah là là, c'est rigolo comme robot, mais par contre il est mal équilibré au niveau des rotor blades, pardon. Ça c'est à régler malheureusement. J'entends pas du tout la voix de la gonzesse. Ah, c'est d'une horreur. Vous en sortez ou pas? Hop. Faut aller récupérer les tours maintenant. Non. J'ai pas de raison d'abandonner. Yo. Je vais plus vite que toi par contre. Je vais plus vite que toi. Allez. Hop. Voilà. L'arrière c'est fait. Non, même pas. Hop. Ok. Allez les mecs, on y va. On se bouge le cul. On prend la grosse. On se prend des dégâts. On tente de se barrer. Puisque personne pense à nous heal. Ok. Ok, on y retourne. On n'a plus qu'une seule tour. C'est la catastrophe. Allez, sors ta tête. Hop. Oh bah si on est encore under attack, c'est mort. Y'a personne pour protéger le truc. Allez, go, 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 go. Hop. Non mais c'est mort, cherchez pas les mecs, c'est mort. C'est mort. Voilà. Ça s'est joué à rien. Mais on avait personne sur notre base. Il est efficace. Un seul problème. Est-ce que ça nécessite que je le réduise encore un peu? Je pense que oui. Soyons honnêtes, je pense que oui. Ce qui me permettrait d'ajouter quelques équipements aux alentours. Autour, pardon. Je pense que oui. Hop. Parce que ça veut dire qu'en fait, que ce qu'il y a devant ne me sert strictement à rien. Oh! Un épique.
Un épic moisi, mais un épic, quand même. Donc oui, donc je reviens, chers amis, je fais une petite modification et je vous retrouve tout de suite. Voilà, re, chers amis, donc j'ai modifié quelques petites choses, vous voyez, comme quoi on a récupéré quelques flops, hein. Bon, on verra bien ce que ça donne. Ah, déjà, là, il y a une, quand même une... Que dire. Ça m'énerve parce qu'ils sont extrêmement stylés, je trouve. Bref, on va le healer. On a quand même une grosse perte de vitesse, hein, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Hop, on esquive l'autre trou du cul. Essaye de heal les deux. Hop, mais je suis à sec, hein. Je suis à sec. Hop. On se couvre de lui. Vas-y, essaie de l'attraper. Hop. Viens voir papa. Putain. Hop, allez, vas-y, pousse. Ah, raté. Raté, allez. Putain. Je suis à deux doigts d'y arriver. C'est là que c'est le plus gênant, en fait. Allez, tirez, bon Dieu. Mais non, on a raté. Ah, quel dommage. Que je vais rater toute la game. Ok. Sinon, je vais y arriver. Et putain, il y a quelqu'un qui est en train de le faire à ma place. Salaud. Allez! Sauvons notre ami! Ah, je l'ai pas eu. C'est pas grave. Wouhou! C'est la fête! On l'a niqué quand même. Bon, on y retourne. Hop! Allez, vas-y. Hop. Hop les. Vas-y. Hop, pensez que la grosse SMG est en deux. Raté. Oh, t'es tellement beau avec un tir pareil. Hop. Hop les. Ça c'est bon. On y retourne. Bien vu. Hop. Hop, et tu me rates. Hop. Pouvoir régène comme ça dans l'équipe adverse, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas censé être possible normalement. Hop les, victoire.
Victoire, bravo, 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 bravo. Bien joué les gens. Bien joué. Belle victoire. On est loin d'être le premier, hein. Ah, on est troisième quand même. Donc on va avoir quoi, une diamant ou une gold? Je crois que ça va être une diamant. Je crois que c'est un protonium, deux diamants, deux gold. 3 gold et 4 silver. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus du tout, là c'est du pif hein, ce que je viens de dire. Alors nous aurons donc une diamant, génial. Ok, déjà là on a rien de... Oh putain, c'est tout. On a vraiment pas de bol hein. On a vraiment pas de bol. Pourquoi pas. Bon, bah il est efficace ce heal. Bipolaire. Voilà, bipolaire. Voilà. Même on va mettre l'aéro bipolaire. Aéro bipolaire. Voilà. Ben il est pas mal celui-là. J'aime bien. Avec celui-ci, je trouve qu'il rend bien. Bon, celui-là, je pense qu'il va falloir que je fasse vraiment autre chose, hein, véritablement là. Très rapidement, le plus vite possible. Il va falloir que je trouve véritablement autre chose que ce robot-là. Ça c'est clair. Ce qui va me faire de l'argent en plus si je revends tout ça. Celui-là n'est toujours pas trop mal. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo va se passer dessus. On verra bien. Celui-ci, bah du coup, a été bien remplacé, je trouve, par l'autre robot. Ce qui fait qu'il faudra qu'on retrouve de quoi faire autre chose avec ces équipements-là. Hop. Et le Eagle est toujours aussi stylé. Bon, bon, bon. Oh, j'ai une grosse idée. J'espère que ça va pouvoir passer. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser sur cet instant découverte de Marcus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trop bien dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bienvenue dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.